Salut tout, on se trouve pour une nouvelle bataille sur Unlisted que je vais lancer d'ailleurs. J'aimerais avancer dans la recherche vers les fusées niveau 3, si je dis pas de bêtises. Changer les soldats, acheter des soldats. Oui, les fusils E3, c'est ceux que je débloque en. Enfin, c'est ceux qui se débloquent en dernier, c'est les meilleurs actuellement. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va évoluer et qu'il y aura des fusils E3 4 qui vont sortir un jour ou l'autre. Mais en attendant, ce sera mes meilleurs fusiliers. Des fusiliers, j'en ai à peu près dans toutes les escouades en bouche-trou. Et ça me paraît utile d'avoir des fusiliers le meilleur possible. Donc, je vais essayer de débloquer cette escouade. En ce moment, j'essaie de débloquer les meilleures escouades possibles pour pouvoir monter celles qui sont au niveau maximum. Par exemple, les médecins, c'est niveau 1. Ben, j'ai les médecins niveau 1. Les assauts, j'ai les assauts niveau 2, c'est eux d'ailleurs. J'ai acheté un assaut niveau 3 avec un jeton d'or. Le reste, c'est que des niveaux 2. Il y a des assauts niveau 4, donc je suis très très loin sur le chemin. On va comme Et là, j'en suis au sapeur 2. Je crois que les sapeurs 2, c'est aussi les meilleurs. Les canonniers AC, je crois que ça s'arrête à 2 également. Hop, on va y aller. Alors. Par contre, le son est beaucoup trop fort dans mes oreilles. Je vais baisser aussi un petit peu pour vous. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai un Gewehr 41 qui est une arme semi-automatique. C'est-à-dire que j'ai pas, c'est pas un fusil à verrou, j'ai besoin de recharger derrière à chaque fois. Hop, on va placer un premier point de ralliement ici. C'est une blague, on a un point de ralliement déjà chez eux. Hors zone. Non, c'est pas possible. Alors, et je suis pas persuadé que le Gewehr soit une arme aussi incroyable. Il a un. Le jeu considère que c'est une arme forte. Il lui met un niveau de classement pour les combats assez élevé. Moi, je trouve pas. Mais bon. Ça permet de faire des trucs comme ça tout de même. Alors en fait, quand je tire, je sais pas si je fais que des tirs tête ou pas, je pense pas. Par exemple, par rapport au truc d'assaut, c'est pas super fort à mon avis, mais bon. Aïe. Bon, on aura un peu joué cette équipe. On va jouer l'autre équipe que j'essaye d'améliorer. Sachant que ça fait des jours que je l'améliore. Avec le niveau 4, les seuils d'XP sont colossaux. Alors, faudrait que je relance la grenade. C'est bon. Sinon, il risquait de se faire détruire son véhicule. Là, il y a un spot incroyablement bien, bien défendu, on dirait. Alors. Aïe. Alors, lui, il a une semi-automatique aussi. Il fait moins de dégâts que le Gewehr. Mec, agit presque comme une arme automatique. Faut juste cliquer. Ce qui facilite pas trop la vie, mais bon. Cette map là, j'ai déjà joué dessus en jouant en tant que défenseur et je trouvais ça vraiment très très fort. Alors, c'est bon, je peux? Il a pas l'air de vouloir, il me dit que c'est vert, mais en vrai. On va le mettre là, beaucoup plus exposé, mais bon. Je pourrais toujours glisser une barricade comme si de rien n'était. On capture, je vais avancer finalement. Alors un dernier coup. Allez, on attaque. Aïe. Aïe aïe aïe.
Je sais pas comment ça s'est fait, hein, vu le bombardement qu'on a eu. Ah, il a bien joué le mec. Je vais prendre de la hauteur. On n'est pas très loin du point suivant. J'ai l'impression, je le touche, mais je tape dans son casque. Il va m'accrocher visiblement. Alors, ah bah je suis dedans. Ah, je l'ai pas vu, je croyais avoir vérifié tout le toit, mais apparemment non. Mon point de ralliement reste plus proche que les points de spawn, je comprends pourquoi les gens l'utilisent. Pour l'instant, j'essaie de faire attention aux armes que j'utilise pour pas monter trop en battle pass. Un jour, je pense que je ferai plus attention. Et à ce moment-là, je reprendrai quelques gewehrs. C'est vrai que pour un fusilier, on fait difficilement plus efficace en rush. Même si, niveau précision, on perd clairement. Alors toi, tu restes là, et moi j'avance. Ah, saleté. Ça devrait passer. Encore un coup de soin. Ah, je crois que ça va passer au tout frais, lui. Il a pas l'air de me voir. Bien embêtant pour lui. On va tenter. Apparemment, c'est bon. J'ai de la charge de TNT, ouais. Là, j'ai une grenade classique, je croyais que j'avais fait l'échange. Je vais être tout seul dans la zone, donc je capture super lentement. Là, ça s'arrête, ouais, c'est ça. Bah, je vais continuer à capturer tout seul, hein. Je vois rien du tout avec le contre-jour, enfin, le soleil dehors, la différence de luminosité plutôt. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde même. Ah, j'ai vu du monde passer. Je peux pas tirer par là de toute façon. Vaut mieux que je me concentre de ce côté-là. Par contre, j'arrive à voir personne. Ils ont pas l'air décidés à venir m'attaquer. Contrôle la lame perdue, vous êtes trop loin? Pourtant j'ai pas bougé mais.
Bien joué à lui. On continue. On va faire gagner des points à un allié. On est gentil. Franchement, entre les deux, c'est kiff-kiff. Je me dis, autant filer. Je sais plus si c'est 55 ou 35 points. Un allié. Pour les points de ralliement, je crois que les véhicules de ralliement ils ont plus de points. Je sais pas si c'est très justifié, mais bon, on va dire que le véhicule de ralliement c'est plus dur d'aller le placer, donc c'est un investissement plus important. Venir à crotte, je vais placer une mine antipersonnelle. Pas eu le temps. C'est dommage parce que j'ai perdu mon bonhomme qui est justement en capacité d'attaquer les chats. Vite, vite. Mais il y a un point de ralliement. Mince. Je sais pas bien comment je vais réussir à m'en approcher. Sur le molotov, a priori, ça ne va rien faire au point de ralliement. Je suis censé rester. Ça va être trop dur. Trop dur. Il y a tellement de monde. Aïe, et puis il y a des mondes derrière moi pour me faciliter la vie. Ils l'ont mis juste hors zone, leur point de ralliement. C'est bien joué. Caché derrière des planchettes. J'étais dessus, hein, mais bon. Il y avait tellement de monde que. Avec. J'aurais lancé une charge explosive. Je pense que ce serait passé sans souci. Ah, il y a beaucoup de monde. Ok. Venez par là. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai déjà perdu des tonnes et des tonnes de soldats. Bon, ça je m'en foutais un peu. C'est qu'il vise avant moi, j'ai à peu près aucune chance. C'est bon, j'en ai eu un. J'espère que c'était le seul. Ça avait l'air. Aïe. Ah, il y a des rampants là-bas. On va rapprocher mon point de ralliement. Sinon je sens qu'on va stagner très longtemps. Je peux probablement le mettre dans une baraque. Proche à quel point? Proche à ce point. Hop, c'est parti. C'est le char allié qui s'est fait détruire. Bon, on devrait gagner beaucoup de temps pour s'approcher. C'est un allié ça? Ok.
Alors, pof. Là, je ressorte. C'est plutôt fort quand même. On les a nettoyés. Maintenant on va se cacher. Bon alors on va changer. Hop. Ah. Oh je ne vais pas capturer le point. Enfin, peut-être qu'il faudrait quand même que j'y aille mais... Ah! J'ai l'impression de lui avoir tiré dessus, mais comment ça il a été détruit par quoi? Le véhicule a été avancé. Ça va nous aider quand même. Par contre, on a beaucoup de retard. On devrait être à l'avant-dernier point quasiment. Ok, nickel. Boum boum boum. Char ennemi ou char allié? Char ennemi, on dirait. Il y a des dégâts à l'intérieur du truc. C'est bon. Ça va quand même 150 de score d'achever le véhicule. Donc on va le faire. J'ai plus de quoi décrire un char de plus par contre. Ah, j'entends un truc. Il ressemble à un mortier. On progresse. Je pense que le char nous aide. Et nous on l'aide aussi. Alors, est-ce qu'il y a des fenêtres ici? Non. Alors, yep, je suis caché. Pas réussi à détruire. Alors, t'as l'air un peu long à la réactionnette. Alors, ce qui est ballot, c'est qu'avec lui, j'ai pas de... d'explosifs parce qu'en théorie on a suffisamment donc je peux pas détruire ce véhicule. D'habitude il a ses charges anti-tank et ça suffit. Mais s'il m'en faut 4 pour tuer un char et que la suivante suffit pas pour achever le véhicule. Bon je vais pas tirer dans un endroit très stratégique mais je voulais tirer très très vite avant qu'il me tue. En fait il m'a pas tué.
Alors, je pense que lui... Pourquoi il était si loin? J'avais dit à mes soldats de rester quelque part. Ah, tant que je maintiens, je peux regarder n'importe où. Ok. C'est bon à savoir. Tuc, tuc, tuc. Je tape avec le marteau dans mon dos. Ah, je pensais qu'on pouvait passer par là. Ça m'a l'air plus compliqué. Y a pas une... Pas un passage. Oh mince. On va gagner un peu de temps en prenant lui par exemple. C'est pour détruire les avions, ça? Sinon, c'est beaucoup trop. Alors, cachez-vous là si c'est possible. Oh là là! J'arrive pas beaucoup à toucher. Oula! 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 Alors... Nickel, comme ça je suis accroupi. Sable ou je sais pas quoi. Je suis bien protégé, mais je vois pas très bien. C'est fait taper par un ennemi? Tout à fait. Des tirs depuis par là. Il y a un avion aussi qui tire. C'est peut-être leur spawn, c'est peut-être pour ça qu'ils sont protégés. Ah. Alors, on va plutôt ramasser avec lui. Non, alors, c'est pas. On va ramasser avec lui. Hop. Et on va. Des munitions. Alors, je pense qu'avec un sniper, je peux les tuer. Lui, pour commencer. Ah, il m'attendait. Peut-être qu'il sait que je suis sa seule menace sérieuse.
Ah, j'ai quand même réussi à le faire fumer. Ça va probablement pas suffire, mais bon. Alors. Yeah! Il est super bien protégé, le type dans la cabine. Je trouve. J'ai quand même réussi à avoir sa tête. Bon, j'ai de la hauteur en plus, ça aide. C'est clair. Je sens qu'on va perdre. Bon, je j'aide pas trop à attaquer. Mais je tue plein de monde. Ça devrait les aider en théorie. Mais il y a peut-être un point de ralliement juste là. On aura fait des beaux scores quand même dans notre équipe. Aïe. Je pourrais tenter d'attaquer. Je pense qu'on va se faire massacrer, mais. Alors, je pensais pas me faire massacrer aussi vite. Hein. Avant même d'avoir passé le muret. Ouais, je sais pas comment ça se fait que les alliés n'aient pas réussi à faire ça. Ah, bien joué à lui. Il m'a même pas tiré à la tête, il a dû tirer super vite alors. Cinquante-quatre soldats, à ce stade il faudrait un miracle. Depuis tout à l'heure, je suis pas sûr qu'on soit prêt de voir un miracle arriver. Oh, mais ceux-là ils sont toujours des kilomètres derrière moi. J'aurais même pas demandé de défendre le point, juste ils sont mauvais pour se déplacer visiblement. Bon, ils doivent pas prendre les raccourcis comme je les prends probablement. Allez, on avance. On se cache. C'est un soldat expérimenté. Ah. En 30 pour 2 points. Ça m'a l'air très 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 juste, mais bon. Pas impossible non plus. On va tenter, hein.
Allez, on y va. Encore des gens dans la tour ou je rêve? Il y a du monde là. Il y a un type à proximité, évidemment. Ah, lui, c'est un nouveau, il a pas de soins boostés. Je crois que c'est un niveau 2 auquel il manque juste une étoile. Quand il sera bien amélioré, il sera beaucoup mieux. Pour l'instant, il est juste pas très bon. Oh là là! C'est impossible que je passe discrètement avec ça. Là, le terrain est super dégagé. On va quand même tenter d'aller vers le char. Ouais, je pense que c'est fichu. On va quand même tenter de faire une belle action en tuant un char. Je ne le distingue plus, mais je pense pas qu'il soit mort. Ah, c'est pas un char en fait, c'est un... Ah, mais il reste plus que moi. Ah bah voilà. Browning, je crois que c'est un mitrailleur du coup. À 4600, je sais pas comment on a perdu parce que bon, il y a un type qui a fait 7000 dans leur équipe. Le reste, ils ont fait 4000 et des poussières. Niveau score, on les a massacrés, mais bon. Ah, j'ai fait 6000 en progression, c'est très bien. Meilleur canonnier AC et meilleur soldat d'assaut. Il y a beaucoup de gens qui avaient fait des bons scores dans mon équipe, ça m'étonne pas qu'ils aient des trucs divers et variés que je n'ai pas eu. Très bien, et du coup, je suis pas dans le les gens récompensés. Et il nous reste encore un petit peu. Et bien ce sera pour une prochaine bataille.